messieurs, vous allez participer aujourd'hui à une expérience unique. J'ai dans la main une enveloppe scellée dans laquelle se trouve la description par Alexander Weigrowski de sa mise en scène de l'Opéra de Salieri. À mes côtés, vous avez l'orchestre et les chanteurs qui interpréteront cette œuvre dans un mois sur la grande scène de notre théâtre. C'est une dernière répétition musicale après une semaine de travail. Et parallèlement à cette répétition, je vais vous lire la mise en scène. Et cette mise en scène, je vais donc la découvrir en même temps que vous. C'est une expérience théâtrale unique, tellement en phase avec l'opéra de Salieri et ses personnages qui montent un opéra, et vous, vous assistez en temps réel à la fabrication d'un opéra. Allez, maestro, ouverture! Non tanto cuore, che musica e parole, ci hanno fatto un po' così.
mâle qu'on n'ose pas de pizio et qu'on m'a dit pizio et pour un pire intesta mitia così speciale ridica la così quattro di ma fatte che son mal 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 se non può più mi chieda trovo miglior poeta car signor maestro non si andare all'estro ma c'è c'è sproposito dramma quattro di la cosa è arci possibile e deve andar così con maestri assignati con poeti si sguaiati lo per me divento amo divento amato nulla credo ben fatto se non faccia mio dolor nulla credo ben fatto se non faccia mio dolor vorrei via condurre amato che sia il mastro di cappella fare pulcinella che il poeta di teatro non può che grandarlo non lo fui che grandarlo non lo fui a tuo parlo e a tuo lui che mi cerco così cor ma c'è il che sproposito che sproposito un dramma in quattro la cosa è arci possibile e deve andar così un dramma di quattro dì è possibile arci possibile in quattro dì e deve andar così con maestri sostinati con poeti si sguaiati io per me divento matto divento matto divento matto nulla credo ben fatto se mio facciamo dolor nulla credo ben fatto se mio facciamo dolor vorrei via condurre a matto e non stare in cucine e non fare in cucine che il poeta di Madonna che il gran nastro che fumi che il gran nastro Annibale sull'Alpi, Alessandro, per Mestra. Pour montrer l'immensité de son talent, elle chante deux extraits de Giulio Savino de Salieri. Concept de mise en scène. Comme tous les opéras qu'elle énumère sont tombés dans l'oubli, nous remplaçons cela par du Lady Gaga, du Céline Dion, du Britney Spears. Britney Spears! Oops! I did it again. I did it your heart. Got lost in the game. Oh, baby, baby, baby.
dans son élan, Éléonora enchaîne avec son deuxième air où l'héroïne dit adieu à ses enfants. Elle exige que le compositeur et le librettiste jouent ses rôles d'enfants en se faisant tout petit pour être crédible. Elle chante donc son air pathétique pendant que les deux hommes recroquevillés se plaignent de leurs maux de dos. Note de mise en scène. Ce type de comique est très daté, je le remplace donc par un plan à trois qui justifie les plaintes des deux hommes épuisés par les ardeurs insatiables de la dame. Oh, un plan à trois. J'espère que ça choquera. Ne choquera pas mes spectateurs. Thank you.
Par les deux chanteuses, les hommes décident d'innover en créant un opéra où elles chanteront toutes les deux. Un opéra où, contrairement aux traditions, ils vont faire coexister le comique et le tragique. Alors, note à insérer dans le programme. C'est là que cette œuvre nous touche le plus. Ici, Salieri laisse entrevoir une forme d'art totale, libérée des conventions de l'écriture opératique, libérée des entraves de la société à l'image de notre mise en scène, libérée des conventions bourgeoises de la représentation post-moderne. Ah voilà, quelle mise en scène visionnaire qui nous bouscule, qui vous nous... Dans nos petites habitudes. Oh, Madame Tonina, votre grande scène bouffe, s'il vous plaît. Quante cartuzze,
avuto torto, che giusto a mezza vita aveva una ferita da 15 anni più. Ma non avuto torto, che giusto a mezza vita aveva una ferita da 15 anni più. Aveva una ferita da 15 anni più. Che ride, 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 che
maintenant que moi, Alexander Weiglowski, je décide de bousculer l'édifice. C'est intéressant, il bouscule. Je vous annonce publiquement que j'ai décidé de modifier le concept de cette production. Contrairement à ce que nous avions établi, nous ne ferons pas Salieri puis Erwartung de Schönberg. Nous remplaçons Erwartung par le Schauspiel Director de Mozart. Et nous commencerons la soirée avec cette pièce. Ah, on fait quand même le Mozart alors ? Pour le Mozart, j'ai une idée brillante. Mettre en scène un directeur d'opéra qui fait passer des auditions. Les chanteurs qui l'engagent chanteront le Salieri en deuxième partie. Pas mal, pas mal. Le directeur pourrait être accompagné d'une secrétaire ou d'une assistante, prête à tout pour passer une audition elle aussi. Pour être engagée, elle se déguiserait une, deux, trois fois, jusqu'à se travestir en homme. Très amusant. J'ai hâte de voir ça. Et là, dans la fin de sa note, Weigrowski écrit « Selon moi, Mozart met en scène des chanteurs qui se battent pour être engagés. Et Salieri nous les montre qui travaillent ensemble malgré les oppositions et les tensions. » Le morceau final est emblématique à cet égard. C'est une cacophonie harmonieusement orchestrée par Salieri où finalement tout le monde se met d'accord. Et l'opéra finit par la célébration du pouvoir de la musique et du succès des artistes. Finale! Thank you.